Konbawa, minasan. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Je dis Naruto, mais Naruto dans le chat. Coucou tout le monde. Naruto, 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 Naruto. Comment ça va tout le monde? Genki, Genki Deska. Je vois que Idril est fatigué, je te patte patte. Je fais de pat pat de force pour te donner de la force. Pat 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 pat. Comment vous allez les gens? Depuis la dernière fois, hier pour ceux qui étaient là, lundi pour les autres, ou peut-être il y a 2 mois pour certains, je sais pas. Genki deska? Bien et toi? Ça va. Grosse journée. Grosse journée. J'ai envoyé les manuels aux librairies parisiennes. Donc, vous aurez toutes les infos d'ici quelques jours. J'attends qu'ils les reçoivent, qu'ils les mettent dans les librairies pour recevoir les photos. Ils vont me faire des photos et je pourrai les mettre sur les réseaux sociaux et vous serez au courant de quelle librairie il s'agit. Il n'y en aura pas beaucoup. Je leur ai envoyé 10. Voilà. Vous pouvez vous jeter dessus. J'ai pas rattrapé le cours de lundi. Ah, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est des exercices, Idril. Tu pourras les rattraper. Je mettrai le diaporama de tout ce qu'on a fait lundi et aujourd'hui, ce soir. Donc voilà, voilà. Je te suis sur Insta, je suis venue voir en personne le cours. Oh, bah écoute, bienvenue à toi, Corail. Comment vas-tu? Genki deska? Alors, je suis triste, les gens. Vous voyez? Là, j'ai mis une story. Juste avant le cours, pour dire, ah les gens, le cours il va commencer et il reste plus que 10 personnes. Et entre temps, il y en a 2 qui ont des follow. C'est qui ceux-là? Pourquoi vous follow et après vous défollow? Pourquoi? Pourquoi? C'est pas grave, mais bon, j'ai dit 10 et les gens vont arriver. Oh ben non, c'est 12. Le jeu de tes 2 livres, c'est un peu ça. Ok, ça me fera des exercices pour mes vacances. Mais oui, et en plus, je suis en train d'écrire un petit, tout petit diapo ou PDF pour vous donner des exercices à faire pendant les vacances. Donc, tu pourras bien t'entraîner. Bien, on va bien à Lille 1.
quoi ? A pas compris. A pas compris, désolé. Mais je fais peur à personne, moi. Je fais plus, je suis gentille. Non. Arigato sensei de penser à nos vacances. Toujours. Il faut des vacances studieuses. Dis la meuf qui va tryhard le gaming pendant ses vacances. On est bien à Lille. Bah, je sais pas où tu es toi, moi je suis à Valenciennes. Et on n'est pas tous à Lille, je pense. J'ai pas assez de vacances. Ah, Grimbaté Kalinours, bon, c'est une année spéciale pour toi, du coup, ça ira mieux après. Ça ira mieux après. Bon, sinon, le japonais, ça va ? Est-ce que ça rentre ? Bon, déjà, tous ceux qui sont là, les kanas, c'est comment ? Est-ce que vous les savez tous sur le bout des doigts ? Est-ce qu'ils commencent à partir ? Est-ce qu'il vous en reste quelques-uns à retenir ? On va faire un petit, mise au point. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier cours de l'année 2020, le dernier. Et après, on reprendra les cours en 2021, avec certainement un nouveau planning à cause de mes cours. C'est fort probable, mais il n'est pas encore fait. Avec certainement des cours en plus, comme j'ai pu vous dire. Les kanas, c'est pas trop la kata, donc ça va. Ah, ça c'est cool. Je maîtrise quasi tous les hiragana et les katas commencent enfin à rentrer. Yes! 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 Le der quoi? Le dernier cours de l'année. Avant les vacances. Quoique, peut-être que j'en ferai un genre avant la nouvelle année de cours de japonais, je sais pas encore. Coucou Maïe, coucou, coucou tout le monde, je peux pas dire les noms de tout le monde, mais coucou tout le monde. Les katakana rentrent pas vraiment, mais je les bosse pas trop aussi. Ah bah du coup, oui, t'es problématique. Pour les katakana, encore quelques bugs, mais dans l'ensemble, ça rentre. Bon bah, c'est une bonne chose. Voilà, j'ai mis la méditation sur le salon. Ah, Otsukaresama desu. Et la grammaire, ce qu'on a vu ensemble. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas des fois assisté à tous les cours. Est-ce que vous avez eu le temps de rattraper ? Est-ce que c'était clair ? Est-ce que ça commence à rentrer ? Est-ce que vous arrivez à faire des petites phrases simples de vous-même ? Pour la grammaire, c'est comment ? Là, on va faire les trois derniers exercices pour réviser toutes les notions que l'on a vues. Et je pense que en 2021... je vais peut-être arrêter les live traductions pour faire à la place des live exercices. Et en plus de ça, rajouter un cours de kanji de vocabulaire. J'aimerais faire 3 cours par semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, j'aimerais votre avis. Si on fait un cours de grammaire, un cours d'exercice et un cours de vocabulaire et kanji, qu'en pensez-vous ? Sachant que je pense que pour tout ce qui est oral, je ferai certainement des activités sur le Discord plutôt que des lives. Comme ça, il y a encore plus de monde qui pourra y participer. Rattraper. Faut que je revoie certains katakana car j'ai l'impression de toujours voir les mêmes en LV2. Ok. Coucou Grim, comment tu vas ? J'en peux plus de ta et nous en katakana, je confonds tout le temps. Bah nous ça dépasse, le troisième trait il dépasse, alors que ta non. Voilà, l'affaire est résolue. Genre je vais plus pouvoir passer. Bah en fait les cours de oral c'est ceux qui plaisent, enfin de lecture et traduction c'est ceux qui plaisent le moins. C'est utile, mais je pense que j'en ferai pas un par semaine. J'en ferai peut-être un par mois, en plus. Dire de vraiment s'il y a une news super importante ou si je trouve des histoires à traduire plutôt que des news. Je réfléchis. Bonne idée, je calerai mes séances de kiné en fonction des cours de japonais. Ah, yokata. Iito omoimasu. Bonsoir à tous, coucou Shania, yaho. Je pense que c'est vraiment pas mal, ça permettra d'avoir un bon bagage. Bah c'est ce que je me dis, hein, c'est que
coucou Chomi, il faut faire un peu de tout. Là, on était resté sur deux cours. Je pense qu'à partir de 2021, on peut partir sur trois. Et les exercices, c'est vraiment quelque chose qui vous permettra d'appliquer tout ça. Donc, il faut que je mette ça en place. Ça, c'est une certitude. J'hésitais à le faire après le cours de grammaire. Mais bon, les cours de grammaire, c'est déjà assez chaud. Donc, si on fait d'exercices juste après, c'est compliqué. Donc, plutôt laisser le temps de voir le cours, de le réviser un peu pour être déter pour l'exercice et avoir eu le temps de réviser. Et ça évitera aussi le rallongement des cours par le passage à l'oral. Exactement. Sonne, tashikani. Bonsoir, Jeannellerie. Non, Jeanne. Jeanne, on va t'appeler. Désolée, j'arrive pas à lire les pseudos. Comme d'habitude. Kambawa minasa. Bon, bah voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant du planning. Des cours exactement de ce qu'on fera. Je réfléchis encore. Oh! Oh! Merci beaucoup, Polocom, pour ton troisième mois d'abonnement. Oh, je veux des clap 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 pour le resub de Polocom. Merci beaucoup. Merci, merci. Moi, en temps normal, le jeudi, je peux pas car j'ai mon cours de japonais irréel. Du coup, c'est pas tant le contenu que le jour. Ah, sonne, sonne. Arigato! Clap clap clap! Dans le chat, on va des clap 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 dans le chat. je vous le dis, hein, moi, je vais caler le nouveau planning en fonction de mes cours à la fac. Et comme mes cours à la fac, je sais ceux en japonais, mais je sais pas ceux de mes yeux, ça va être un peu compliqué. Alors en janvier, ça va pas te poser problème. Je garderai je pourrais mettre le créneau que je veux parce que j'ai pas cours. Par contre, à partir de la dernière semaine de janvier ou début février, là, sachant que peut-être les cours vont reprendre en présentiel aussi, donc ça veut dire que je vais devoir me taper le train pour y aller, taper le train pour revenir. Donc c'est... Oh ! Merci beaucoup Calligraphe16 pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu sur notre channel et yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu ? D'où viens-tu et comment t'as trouvé cette chaîne ? Trois petites questions, n'hésite pas à y répondre, on est curieux ici. Voilà, voilà, je vous raconte un peu ma vie comme d'habitude pour vous expliquer, vu que c'est le dernier cours, au cas où j'oublie à la fin, comme ça vous êtes au courant. 2021, trois cours, grammaire. Oh! 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 Merci beaucoup pour le subprime! Je veux des clap 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 dans le chat! Clap 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 dans le chat! Je veux des clap 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 dans le chat! Vous êtes déter, dis donc! Moi, je mets des clap 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 pour vous deux! Merci beaucoup pour le follow, pour les subs, tout ça, tout ça! C'est gentil! Joli début de cours, dis donc! Vous êtes content? Vous êtes content du programme? C'est pour ça que vous faites des subs! Tout s'explique. Enfin voilà. Du coup, 2021, vous allez être contents. On va voir les candies, évidemment. Et oui, j'oublie pas dimanche, t'inquiète pas, Chomi. Et oui, du coup, je vais le dire, Chomi, donc sur sa chaîne, on va faire encore du blabla Japon. Du blabla, si vous avez des questions. À 20h, dimanche, sur sa chaîne. Donc, je vous dis ça, je vous dis rien. Vous prenez comme moi votre agenda et vous le marquez pour pas l'oublier. Ok. Est-ce que c'est ok? Moi je l'ai marqué, il est là. Non, attendez, là. Live show me. Hihihi. À 20h. Faut noter. Il faut noter. Oui, un superbe programme. Yay! Ben, je suis contente que ça vous plaît. Si vous mettez des subs, c'est que vous êtes chaud et que du coup ça c'est cool. Yay! Ah non, t'es pas là dimanche. Bah c'est pas grave, on refera ça de temps en temps avec Xiaomi parce que la première stream comme ça, c'était très bien passé. Donc voilà. Où on ne parlera pas de Fantaréza aussi. C'est trop beau le Fantaréza. J'ai failli perdre les wings. Oh, oh no, Titi, Titi. Heureusement que c'est pas arrivé, heureusement. De quoi ce soir? Non, c'est pas ce soir, hein, c'est dimanche. Dimanche à 20h. Aujourd'hui, on va s'exercer. Tada! Et on était arrivé à l'exercice 4. J'avais fait un seul et même PDF pour que ceux qui sub à la chaîne. Et donc j'en profite. Vu que quelqu'un vient de sub à la chaîne, tu es nouveau parmi nous. Tu as le droit à des avantages en tant que sub. Évidemment. Je vais baisser un peu ça du coup. Oh merde, mon pingouin. Le pingouin, il est tombé. Ah, pardon. Tu as le droit
un rôle spécial sur le Discord que je t'invite à rejoindre du coup. Et si tu as Discord et si ça t'intéresse, il faut que tu m'envoies un message en privé pour me dire « je sub à la chaîne ». Quand tu auras fait ça, je donnerai ton rôle et tu auras accès à 3 salons dédiés aux subs où tu pourras y retrouver tous les diaporamas des cours, tu pourras aussi y retrouver des exercices supplémentaires et je corrige évidemment tous ceux qui font les exercices et je réponds à tous ceux qui ont des questions. Les subs sont prioritaires juste parce qu'ils ont leur salon, voilà. Et quand il y a des messages dans les salons subs, c'est l'un des premiers que je vais voir pour... Et je lis tout. Parce que je vous dois bien soit ça, j'ai bugué, vous me soutenez, ben moi je rends l'appareil, voilà voilà. Donc toi qui es nouveau sub, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Je viens de lire vos messages, désolé, il faut le temps que je comprenne parce que des fois il se passe des trucs et moi je suis là en mode j'ai pas compris. À boire évidemment, merci Shania. Alors aujourd'hui du coup j'avais oublié de préparer, alors je bois d'abord. Il faudrait un salon sub tier 3. Ah bah alors, oui mais vous êtes que deux, l'utilité. L'utilité. Moi je veux bien, mais bon, faudra un minimum de sub tier 3, non? Pour avoir une conversation passable. Je dis pas qu'à deux ça peut être cool, mais bon. Gomenasai, Shania, gomenasai. Ben ouais, voilà, deux c'est peu. Je dis pas non, mais bon. Faut un objectif tier 3 alors. Un objectif tier 3, et s'il y a ça, vous aurez un salon pour les tier 3. Là, je veux bien. Là, je veux bien. Oh non. Bon, sinon, je disais donc. Non, t'inquiète pas, Laysan. Je racontais un peu... Bah, je prenais un peu la température de tout le monde. Si personne n'avait le Covid, non, je rigole. Si le japonais, ça se passait bien. Les kanas, la grammaire et tout. J'ai un peu parlé de... du planning 2021, vu qu'aujourd'hui, normalement, c'est le dernier cours de japonais de l'année. Normalement. Et du fait qu'en 2021, on aura 3 cours maintenant, dont cours de kanji et de vocabulaire. Voilà, voilà. T'as pas raté grand-chose. Si t'as raté 2 subs. Un resub et un sub. Voilà. Coucou Angel Patou, ça va et toi? Issa Sibuli. Prendre la température de tout le monde, c'est ambitieux. Ah, ça on est. C'est quoi ça aujourd'hui? Tous ces jeux de mots, c'est bon à un moment ou quoi? Sonner. Bon, sinon, est-ce que vous êtes chaud patate pour commencer là direct les exercices? C'est bon? Vous avez de quoi écrire, papier crayon? Ça va, mon correspondant a reçu ma lettre, il a réussi à me relire et à me comprendre. Ah, trop bien! En tout cas, allez, ça m'a chaud bouillant! J'adore. Je suis chaud bouillant. Je suis chaud comme la braise. Oh là là. Bon, du coup, on a 3 exercices à faire qui vont travailler les particules ya, to, ka et les démonstratifs en ko, so, ado. Ko, so, ado. Ko, so, ado. Ko, so, ado. Voilà, vous en souvenez tous de cette chanson si vous étiez là. Alors. Ici, on commence direct avec des démonstratifs, du coup. Et le but, comme c'est marqué, ça va être de compléter par le démonstratif approprié. Vous allez devoir, du coup, trouver un démonstratif qui peut se placer à l'endroit où il y a les pointillés. Et une fois que vous pensez avoir trouvé le démonstratif, essayez de me dire ce que veut dire la phrase. Et je précise, il y a plusieurs réponses possibles. On n'a pas de contexte, donc plusieurs réponses possibles à chaque fois. D'accord? Je bois un coup. J'ai parlé trop vite. Enfin, ouh. Ça fait 15 minutes et j'ai déjà... Wow, bien joué, Joask. Putain, comment je t'appelle? Joask? Joask? Ça te va? Je ne sais pas comment ça se prononce. Du coup, merci, Lord. Je rebois, du coup.
On a une flèche parmi nous. Je t'appelais Flash, voilà, je t'appelle Flash. Ouais. T'inquiète pas, tu peux dire ouais. Tutoie-moi. Oh, Ine, no name idea. C'est très bien. Bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre, du coup. On vient de commencer le premier exercice de la session. Hein. Donc, je répète, faut que vous trouviez le démonstratif, donc koso ado, hein, approprié. N'hésitez pas à avoir, à prendre plutôt le cours avec vous si besoin, à vous faire des fiches récap, par exemple un tableau ou ce genre de choses, ça peut être utile. Et pour ces exercices-là, vous avez plusieurs possibilités. Non, S-Dream. Ah non, 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 non. Alors, les gens, j'ai déjà deux bonnes réponses. Il y a déjà des clips, mais c'est quoi ça? J'ai rien fait pourtant. Si, j'ai déjà fait des trucs. Il manque le rappel avant l'exercice. Le rappel avant l'exercice. Allez, Nani. Koso-ado. Koso-ado. Ah non, 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 non. So. On a quatre types de démonstratifs. On a kore-sore, allez. Ceci, cela, cela là-bas. Ensuite, on a kono plus un nom. Sono plus un nom. Ano plus un nom. Qui pareil, c'est ce nom-ci, ce nom-là, ce nom-là-bas. On a Coco, Soko, Asoko, qui correspond à un lieu précis, ici, là, là-bas. Et enfin, on a Kotila, Sotila, Atila, qui montre une direction par ici, par là, par là-bas. Tout ce qui réfère au Ko, c'est près de moi. Tout ce qui réfère à So, c'est près de la personne à qui l'on parle. Et tout ce qui réfère au A, c'est quelque chose loin des deux personnes, du groupe. Et en plus de ça, on a les démonstratifs en Do, qui sont des mots interrogatifs. Hein. Dore, lequel, Dono plus un nom, lequel nom. Doko, où pour le lieu, et Dotsila, dans quelle direction. Je voulais partager avec vous que mon Photoshop vient de planter pour le cours de japonais de demain. Oh non! Et donc j'ai perdu une heure de travail, voilà, je m'en vais me coucher dans mon lit. Oh non! Pat, je veux des pat, je veux des, je sais pas, des cœurs pour Shomi, pat. Oh non! Ah non, j'ai mal au cœur. Il m'est arrivé ça une fois et j'étais en mode, oh, c'était 3 heures de boulot, j'étais en mode, non! Why? Coucou Liujin, comment tu vas? Liujin, pardon. Ah ouais, non mais la poisse, hein. C'est ma direction. Oui, on veut des kokoro pour Shomi. Nande, nande, nande. Vive le CTRLS toutes les 5 minutes. Sonné. Ah, on t'envoie de l'amour, Shomi. Ça va aller. Tu l'as fait une fois, ça sera encore plus rapide de le refaire, t'inquiète pas. Je pouvais pas faire plus de cœurs, désolé. Et Mayu, il a mis plein d'emojis cœurs, c'est trop chaud. Donc, sinon pour cette phrase, je vous montre la correction. Ici, vous avez évidemment trois possibilités. Hein. Kore, sore, are. Ceci, cela, cela, là-bas. Wa, watashi no kasa desu. Wa, watashi no kasa desu. Donc, ceci, cela ou cela, là-bas. Et mon parapluie. Hein. Watashi no, le mien. Kasa, un parapluie. Ceci est mon parapluie. Très bien, Polo Camp. Kore wa watashi no kasa desu. Nade, nade. So, ne. Nade, nade. C'est des pat en japonais. Amari, watashi amari tsukawanai kedo. Ah, tu trouves pas ta leçon. Eh ben, écoute, moi, ça va. Au top sur le vocabulaire. So, ne. Leila sanwa. Bonsoir, veuillez excuser mon retard. Je me suis endormie comme une vieille moule.
Déjà, j'imagine une vieille moule et une vieille moule qui s'endort. Donc elle tombe. C'est un peu ça, mais bon. Nadé, ça correspond à un onomatopée. Du coup, je pense. Hein, nadé, nadé. Mikasa est tout casa. Mikasa plutôt. Mikasa. Mikasa, SNK, no spoil, no spoil. Je suis en retard de deux saisons, mais c'est pas grave. Je préfère regarder Hunter x Hunter. Bon, ça va, vous avez compris l'exercice. On passe à la deuxième question. Dolé s'utilise forcément dans une question. Oui, obligatoirement. Tout ce qui est en do, ce sont des mots interrogatifs. Donc, c'est dans une question. Obligatoirement. C'est une obligation. Les choix du bon goût. Je me suis perdue, j'ai pas compris. Hi, Adjatsugi Shimasho. Deuxième phrase. Donc pareil, je vous laisse lire. Je vous laisse essayer de trouver une réponse possible. Il y en a plusieurs. Et essayer de traduire. Ah, dore, ça veut dire lequel. Par exemple, dore deska, c'est lequel. Je sais pas. Nonde iru mizu wa dore deska, l'eau que tu bois, c'est laquelle. Marque repère, no mizu des. Par exemple, naderu qui veut dire caresser gentiment. Ah, soka. Ah, shiranakatta. Eh, tiens. Onomatopeみたいになっちゃうじゃないの? Kami-sama, il serait possible que tu fasses un rapide descriptif d'une vieille moule japonaise pour qu'on voit tout bien d'accord. Ben non. Non, non, non. Murugai, je sais dire moule, c'est murugai. Mais furi murugai, otoshi ori no furugai. Ah non. Oh, bien joué, Père Joc. Oh, bien joué aussi, Joask. So. Alors là, il y a plein de réponses possibles. On n'a pas de contexte. Il y en a juste deux qu'on peut vraiment pas mettre. Deux types. Et il y en a deux autres types qu'on peut mettre. Donc, vous êtes libre, hein, là. Faites juste bien attention à la différence. Hein. Et bon, si vous l'avez compris, tant mieux. Si vous avez toujours des doutes, mettez bien entre parenthèses le près de moi, près de toi. Loin de nous, n'hésitez pas. Mayeux, oui, ça marche. Je vois que non. Gakkou wa gakkou desu. Je peux pas dire que t'as faux. En fait, t'as bon. Mais tu réponds pas à la consigne. Dakara batsu desu. Batsu. Omoshiroi. Kedo. Batsu desu. Bien joué, Kaito. Coucou. Alors, JSV SKA. Yahoo. Konbawa, konbawa. Genki desu ka. Comment tu vas? Ah, mais t'inquiète, Mayu, j'ai l'habitude. J'ai à la bondo Kami-sama sensei. Ah non, Kami-sensei san, c'est vrai, j'avais oublié. Leila-san, lis la consigne. Demo, tashika ni gakko wa tanoshii desu ne. Watashi wa gakko ga suki. Demo, Leila-san, kore, tadashiku nai no. Quel est le site? Pogonatsum. Coucou, je vois pas de quoi tu parles, Pogonatsum. J'aime bien ton pseudo, par contre, il sonne bien. Nan no website o sagashiterun. Yo. Comment je peux t'appeler JSVSKA? Parce que c'est long de dire toutes les lettres. JS, JS-san, JS-san. Si je t'appelle comme ça va.
Gakko a gakko ga skide, ça marche aussi. Daijoubu janai. Eh les gens, faites bien les exercices, hein. Ah, déjà, JS et Nishimas, du coup je t'appellerai JS. Faites bien les exercices, c'est pour vous, hein. Après vous allez vous mélanger les... Hein. Jeffska. Jeffska, comme ça se prononce, c'est drôle, hein. JS Beska. Ah, narihodo. Ah, déjà, JS et Nishimas, JS. Wa, motto kantan. Complété par le démonstratif approprié. Un démonstratif, c'est ceci, cela, cela là-bas, ce, non, si, ce, non, là. C'est ce genre de choses, des démonstratifs. L'école est, et là, il nous faut quelque chose. Et donc, je vous montre la réponse. Hein. Là, il y en avait deux. Je vous ai mis une des réponses. C'est « Gakko wa kochira, sochira, achira des », l'un des trois. Hein. L'école est par ici, par là ou par là-bas. Mais on peut aussi répondre par le lieu, c'est-à-dire « Gakko wa koko, soko, ou ». Et le dernier, c'est quoi, les gens? Je vous posais la question. C'est lequel, le lieu en « a » ? Ça se dit comment ? Là-bas, loin de nous, en lieu. Bien joué, SGM. Bien joué. Bien joué, Shinigams. Bien joué, Kaito. Oh, ine, ine. Non, Lantan, on peut pas reprendre depuis le début. On ne devrait... oui, je devais aller, si je n'ai vraiment qu'une connaissance au Japon, pour débuter. Et bah écoute, sur la chaîne YouTube, tu as toutes les vidéos sur les hiragana et les katakana. Ça, c'est la première chose que tu dois apprendre. Et si tu veux pas te taper toutes les vidéos, tu as le manuel que j'ai écrit, voilà, qui te permet d'apprendre ces deux syllabaires. C'est la première étape. Avant toute chose, il faut apprendre à lire et à écrire les deux syllabaires japonais. Et une fois que c'est fait, bah, toujours sur la chaîne YouTube ou sur Twitch, tu as les cours de grammaire. Et là, on est en train justement de réviser à travers des exercices les quatre cours de grammaire qu'on a fait depuis. It's poop time! Hey boy! J'ai déjà le dos droit! Je suis droite comme un piqué! Elle m'a félicité, après ça je vais pouvoir mourir tranquille. je savais pas que le fait de féliciter quelqu'un, enfin du moins, moi ce que je dis, ça avait autant d'appui. Oh là là, je sais plus parler, voilà. Je dab. La chaîne YouTube, c'est la chaîne de Kyandi no Sekai. Donc c'est mon pseudo hein, de base, Kyandi no Sekai. Et mais mon entreprise, apprenons le japonais, donc voilà. Et donc j'avais fait quelques vidéos à l'époque quand j'étais au Japon, et je dab, qui pour l'instant du coup ne sert juste à mettre les rediffusions des lives sur YouTube, voilà. Et du coup bienvenue à toi Spartiate, c'est ça? Vidéo très drôle et très gênant plutôt je dirais, mais faites-vous vos propres avis. C'est toi qui gères le compte Insta? Tout à fait, c'est moi-même. Je suis la seule dans le navire. Maître de moi-même, c'est déjà très bien. Faut que je revoie ton cours de lundi car je n'ai jamais vu Kotila auparavant, juste les cocos. C'était la quatrième partie du cours. La quatrième. Après, Kotila, Sotila, Chila, si je réexplique, c'est la direction. C'est-à-dire que, à la différence de Koko, Soko et Asoko, qui vont être des lieux précis, c'est comme si vous prenez une carte et vous mettez une épingle. Ça, c'est Koko. Par contre, Kotila, Sotila, Chila, c'est plus un cercle. Et vous montrez une zone, finalement, une direction. Elle est juste là, la différence. Hein. Après, c'est le vocabulaire à apprendre. Ja, tsugi wa ne, tsugi wa dozo. Du coup, Achira et Asoko, c'est ce que je disais, hein. C'est le lieu et la direction. C'est deux choses différentes quand même. Hein. Vous ne montrez pas le même endroit. Hein. Soit un endroit précis, soit un endroit plus large en tant que direction, une zone. Il y a une différence entre mon ordinateur est ici et mon ordinateur est par là. Hein. C'est moins précis. Oui, JS-san. Tanaka, c'est un nom de famille. Sone.
J'ai vu des vidéos de quand t'étais au Japon, je comprends le côté gênant, mais vidéos de Nouvelle-Zélande me font la même. Ah, ça, on est. Bah, après, c'est parce que ça date, hein. Ça date, même mon niveau de japonais a augmenté. Et quand je vois ce que j'avais fait à l'époque, bah, c'était un peu des entraînements, et ça me prouve juste que j'ai augmenté mon niveau en japonais. Mais du coup, je suis là en mode. Ah, soka. D'accord. Oh, bien joué, Joask. So. Bien joué, alors. Très bien, Père Jock. Et Kaito aussi, c'est très bien. Très bien. Naibot, il est en train de s'affoler. Ah, alors, elle est. Si tu dis juste, Tanaka-san wa hitodesu, ça veut dire Tanaka-san est une personne. Oui, c'est correct. Mais là, on veut justement montrer, pointer du doigt la personne. Et donc là, on sera obligé de mettre un démonstratif pour dire c'est cette personne. D'accord? Et donc, je vous montre la réponse. Là, j'ai eu de pas mal de bonnes réponses, hein. Tanaka-san wa Kono sono ano hito desu. Ici, on a un nom. Donc, on est obligé d'utiliser la ligne des Kono sono ano pour dire cette personne, si cette personne-là ou cette personne-là-bas. En fonction de où se trouve la personne. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Tanaka-san no henna hito desu. Et demo sono Tanaka-san. Ah, sono Tanaka-san te shiterun Deska? Tu parles le japonais couramment? Je me débrouille. Je me débrouille. Il n'est pas parfait, mais il est pas mal. On va dire ça comme ça. J'ai des progrès à faire, mais comparé à d'autres personnes, je me débrouille pas mal. Non, c'est pas amoureux, c'est pas haï, hein. So, c'est bizarre, étrange. Hen. Hen. Hen na hito. C'est pas poli de pointer du doigt, mais justement ces formes-là permettent de ne pas le faire. Tu es quel niveau JLPT? Je suis entre le 3 et le 2. J'en ai encore passé aucun. Je sais que le JLPT 3, je l'aurai sans difficulté, ça c'est sûr. C'est un peu moins sûr pour le JLPT 2. Mais c'est en cours. Normalement, l'année prochaine, je dois passer le JLPT, mais avec mes recherches et tout, le mémoire, le master, c'est pas évident de réviser le JLPT, c'est même impossible en fait. Sans dessiner. Du coup, voilà. Tanaka-san wa konosono ou ano hito desu. Et là, vous êtes obligé de mettre un démonstratif en no, vu qu'on a un nom qui suit juste derrière. Quatrième et dernière phrase de cet exercice. Les kanji se ressemblent, je les confonds souvent. Moi aussi. Watashi mo desu ne. Kanji wa ichiban muzukashii to omoimasu ga. Ma. Ne. Ah, sugoi! Et tu connais combien de kanji environ? Je sais en lire pas mal. Au moins 1000, plus de 1000 même. Écrire est une autre chose. Hein. Peut-être un peu plus de la moitié, 500? Et encore? Je ne sais pas. Je n'ai jamais calculé. Tous ceux du N4 et du N5, je sais les lire, les écrire. N3, ça doit être de moitié. Pour les lire, là je suis en train de réviser en plus sur le Discord, mais voilà. Les Japonais, ils font pas des fautes entre koso et a? Bah non. Après, c'est vraiment lié à l'espace. Et donc, tant que t'es pas aveugle, tu peux pas te tromper parce que tu sais très bien si c'est quelque chose près de toi, près de l'autre ou loin des deux. Donc non, il n'y a pas de faute. Après, si vous faites des fautes, ils vous comprendront, hein. Mais du coup, ils verront que vous êtes débutant en japonais. C'est juste ça. Du coup, bien joué, Joax. Bonsoir, Mildil. Comment tu vas? No name, parfait. Kaito. Très bien. Là, il a San qui. Il a pas compris la consigne. Hein. Shania, très bien.
Barmok, très bien. Jess, très bien. C'est très bien tout ça. Iné. Iné. Est-ce qu'il y en a qui sont en train encore de réfléchir ou je peux montrer la réponse? Moi, j'arrive à faire croire à des Japonais que je suis japonais en arrivant sur leur stream Twitch, je dis yo. Ça suffit pas. À un moment, ils vont te dire oh non, 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 et toi, tu vas être en mode. Bah, je réponds pas, j'ai pas compris. Et là, ils vont comprendre. Moi, j'arrive à faire croire. Non, ça c'est bon. Asie, je suis trop nulle. Layla San. Faut savoir que Layla San fait du N2 easy. Hein, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne voient pas son talent sur Discord. La seule chose en japonais que je connais, c'est Kono Kyono Kyovana Niwa Yume ga aru. Alors, ça a l'air d'être du Jojo. Demo yoku wakaranai. Je sais pas pourquoi, mais si je dis yo, ils font oh, mais tu es japonais? Ah bon? Il faut dire so. Ah d'accord, Mayo, ça marche. Du coup, je vous montre la réponse. Hein. C'est soit Kono Sono Ano, l'appareil. Pourquoi? Parce que on a un nom juste après, donc on est obligé de mettre cette particule no. Hein. Wa Nihonjin des. Désolé, j'ai un peu mon nez enrhumé. Du coup, des fois, je prononce un peu mal. Hein. Kono Sono Hito wa Nihonjin des. Cette personne ici, enfin cette personne ci là ou là-bas est japonaise. So. Ho, mukatte kuru no ka. Ah, Jojo. Eh, t'as vu mon instinct? Je l'ai pas vu, Jojo Bizarre Aventure, mais. So. Layla, ça n'est très grand débutant. Ah, so on est. Bon, voilà. Donc, ça, premier exercice sur les démonstratifs. Vous devez juste choisir le bon. C'est pas. Si vous avez votre tableau à côté et vous les connaissez, c'est bien pas. Pas bien compliqué. Là, pareil, on va travailler les démonstratifs. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une petite séance. Vous avez l'air tous super réactifs. Si vous avez besoin d'explications, posez-moi des questions. Hein. Les séances d'exercice, c'est là pour ça aussi. Hein. C'est pas juste vous travailler et puis si vous n'y arrivez pas, tant pis. Non, c'est s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il faut me poser la question pour que je prenne le temps de vous réexpliquer. Sinon, pour l'exercice 5, du coup, là, c'est à choix multiple. Vous choisissez parmi l'un des trois et vous traduisez la phrase. Voilà. C'est quoi sole? Alors sole, ça veut dire cela. Et c'est quand tu pointes quelque chose qui est proche de la personne à qui tu parles. Par exemple, près du chat, il y a ma caméra que je suis en train de bouger. Et je peux dire sole wa kamera des sole wa. Donc près de vous, près de la personne à qui je parle. Donc c'est vous, le chat. C'est une caméra. Sole. Tout ce qui est en so, sore, sono, soko, sotila, c'est que c'est dans votre direction, dans votre côté, dans votre zone à vous. Pas dans ma zone, ni loin de nous deux. C'est près de vous. En vrai, je ne suis pas grand débutant, je suis petit, je fais 1m69. Lala. Si j'ai bien compris, pendant ces vacances, il y a un jeu du roi. Mais. Eh, hey, S-Dream, si tu veux un jeu du roi, tu l'organises, hein. Près de toi, loin de moi. Sone. Après, fais attention avec le loin de moi, parce que des fois, il y a des gens qui vont le confondre avec loin de nous deux. Et puis, loin, tout est relatif. Donc, plus près de toi, c'est plus parlant. Oh, bien joué, Kaito. Ah! Pardon, Diaz. En plus, je l'ai vu. C'est avec la meuf qui se transforme en chat. Attends, c'est pas canaille. Comment ça? Si c'est celui auquel je pense, il est très très bien. J'ai bien aimé aussi. L'autre, ça me dit, mettez que d'assain.
Je montre la réponse du coup. Kono hana wa kirei desu. Kono, hein, là pareil, on a un nom juste derrière. Donc, c'est forcément no. Kono hana wa kirei desu. Cette fleur est jolie, hein, tout simplement. Pas de ça ici, voyons si c'est ce que je pense. Sawara senai. Qui connaît? Sawara senai? Sawara senai, t'es nani? Toucher? Ne pas toucher? Ne pas pouvoir toucher? Non, shiranai. Sawaru? Sawaru, c'est toucher. Sawaranai? Ne pas toucher? Ne me touchez pas? une question pour un homme qui se présente, c'est mieux d'utiliser beaucoup ou watashi ou ore. Ore, c'est très oral. Soit beaucoup, soit watashi. Mais beaucoup fait assez familier, donc tu peux dire beaucoup avec les amis. Si c'est du travail, si c'est à l'école ou quoi, et que tu dois avoir une certaine politesse, je te conseillerais watashi. À partir du moment où tu parles avec des gens que tu connais bien, dont tes amis, hein, beaucoup, c'est sans problème. Ore, j'ai l'impression que ça fait quand même un peu limite vulgaire. C'est un peu les pas les mafieux, mais genre les Yankees, quoi, qui olé, olé wané. Moi aussi, je olé, je l'entends pas souvent déjà. C'est wale, kore wale des shows. Je l'ai vu tout à l'heure en N3, ce qu'on dit. Wale wale. Enfin bref, question numéro 2, pareil, je vous laisse réfléchir et vous devez choisir parmi la bonne réponse et traduire la phrase une fois que c'est fait. Ah, sonne. Ore, mais vraiment, j'ai l'impression que t'es là. Olé, je me prends pas pour de la merde, hein. Vraiment, quand tu dis olé, c'est que tu t'en fous un peu des autres et que c'est toi le plus fort et que c'est très viril. Olé. Olé, c'est comme si vous y ajoutez un peu de testostérone masculin. Naruhodo ne? Asone, atashi? Atashi? Atashi no tsuka, ano, o tsukau no ga suki kedo, atashi te, ano, nan toyu no, kawaii ko mitai? Atashi ne, nanka, nan toyu ne. Atashi, ça fait très fille, petite fille, ou alors fille fragile, atashi te. Moi, je trouve ça très cute, j'adore, hein. J'aimerais bien pouvoir l'utiliser souvent, mais bon, ça fait très gnangnang. Atashi? Atashi nan. Attaciné. Voilà. Bien joué, Joask. Ah, dégouti. Qu'est-ce que ça veut dire, dégouti? Dégouti, c'est la sortie. Par exemple, la sortie de la gare, la sortie du magasin. Le premier kanji, c'est sortir, déru. Et le premier, c'est la bouche. Donc, c'est l'entrée. La bouche, c'est une entrée par laquelle on entre ou on sort. Hein. Hidegouti. Hidegouti, c'est rentrer. Et la bouche, du coup, c'est une porte, en fait. So desu ne. Bien joué, Père Jacques. Et du coup, no name, c'est bien ça. Hein. So ne. Atsira. Atsira, c'est la direction pour dire par là-bas, loin de nous. Nous, c'est moi et la personne à qui je parle. Atsira. Donc là, nous, on est l'un à côté de l'autre, le chat et moi. Et du coup, Attila, ça serait par là-bas, loin, loin de nous deux. Bien joué, tout le monde. Hein. So, dessiné. Du coup, je m'amuse avec le pingouin qui est tombé. Je vous montre la réponse. Deguchi wa atira desu ka?
Des gouttes sur Achiladeska. Est-ce que la sortie est par là-bas? La sortie est par là-bas. Il manque un petit point d'interrogation. Et là, on est bien sur une question. Hein. Deska. On pourrait dire des gouttes si wa doko deska. On pourrait même dire Dotila Deska, la sortie c'est laquelle. Mais ici, on met une mise en contexte. Je suis la personne perdue et je demande à une personne de la gare de me dire. Enfin, je lui demande est-ce que la sortie c'est bien par là Degutiwa, Atila Deska. Et là, il vous dira oui ou non. Non, c'est par là-bas, oui, c'est par là. Et. Il y a un autre cas où moi j'arrive, je suis perdue, je dis « Elle est où? C'est laquelle? C'est dans quelle direction ?»« Degutsu wa doko desu ka ?»« Degutsu wa dotsura desu ka ?» Par exemple, je sais pas moi, « Shinjuku ni iku mae ni » Pour aller à Shinjuku, « Degutsu wa dotsura desu ka ?» La sortie c'est laquelle? Et voilà. Là, c'est juste un contexte, mais ça marche. Hein. C'est pas parce que c'est une question que ça doit toujours être un mot interrogatif. Là, en français, on le dit, hein, « Est-ce que c'est par là-bas ?» Au lieu de dire « c'est par où ?» D'accord ? Allez, ça peut pas fonctionner. Parce que « deguchi », on parle plus d'un lieu que d'un objet concret. D'accord ? « Deguchi wa allez desu ka ?» C'est non. C'est pas un lieu, c'est pas une direction. Enfin, on sait justement, Deguchi, c'est un lieu et une direction. Donc, allez, c'est vraiment quand tu pointes quelque chose du doigt et c'est par exemple un micro, une personne, quelque chose de beaucoup plus concret que une sortie. Une sortie, c'est un lieu, c'est pas un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Coucou, Negru, Genki Deska. C'est Sonzen-san. Coucou, ça va et toi? あれは中国の私だ. なるほどね. Mais en japonais c'est beaucoup moins utilisé, c'est pour ça que j'ai dit celui de base. Moi j'ai un problème, j'arrive pas à différencier les noms propres, genre ce que t'as dit et les noms que je connais pas. J'ai un problème avec moi, j'écris toujours. Je comprends pas tout, donc je passe. Hein. J'ai une question, comment on compare, genre, c'est mieux... JS, essaie de me trouver une phrase d'exemple, parce que je vois pas ce que tu veux dire. Comment on compare en japonais? Comment on compare des choses? Ah ben vous me perdez! Ah non mais un jour je vais ignorer vos commentaires et vous allez faire moi on m'ignore! Mais vous dites de la merde! Donc, enfin du moins ça ne concerne pas du tout le cours. Enfin bref. Question numéro 3. Pareil, je vous laisse choisir entre sole, sono ou soko et essayer de traduire cette phrase. Onegai shimasu. Désolée, je viens d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé entre la phrase 1 et 2? Pas grand-chose. Là, on est au deuxième exercice déjà et on travaille les démonstratifs. Hein, donc, je te le répète. Ko, so, ado. Ko, so, ado. Voilà, c'est ça. Mais ouais, la violence, ben je vais pleurer et en plus. Susceptibilité sur 20. Dis le gars qui fait exprès de troll. Please. Please. Ah oh, non mais. Vous avez le droit de venir ici juste pour écouter et pas bosser. Mais évitez d'empêcher les gens de bosser, ceux qui veulent vraiment, c'est juste ça. Et à Banwa Shinai. Non, pas de ban.
Alors, Ningyo, est-ce qu'il y en a dans le chat qui savent ce que ça veut dire, Ningyo? Ça veut dire quoi, Ningyo? Alors, Nin, c'est la personne. Et Gyo, c'est Katachi, une figure. Forme, figure, tout ça. C'est un des kanji, je crois, pour les formes géométriques, par exemple. Ah, bien joué, Mayeux. So, ça veut dire une poupée. Par exemple, les poupées pour les enfants, les petites filles, les poupées Barbie, Ningyo. Après, il y a toutes les poupées traditionnelles japonaises aussi. On peut des fois les appeler des Ningyo. La poupée. So, desu ne. Bien joué, Kaito. Bien joué. Qui m'avait donné une réponse? Joasque aussi, très bien. So. Kodomo no ningyo da yone. So ne, ningyo. Bien joué, no name. Et du coup, bien joué, DS. So. Kore, sore. Sore wa Tanaka-san no ningyo desu. Ceci, enfin, cela... Et la poupée de Monsieur Tanaka ou de Madame Tanaka. Hein. C'est pour ça que j'ai mis deux Tanaka. Là, on va éviter de faire des phrases sexualisées. Ça serait bien. So, dessiné, bien joué, nègre. Sore, ceci. Ce nom, c'est impossible parce qu'il faudrait un nom derrière. Et là, on n'en a pas. Et pareil, Soko, il nous faudrait un lieu. Et la poupée de Monsieur Tanaka n'est pas un lieu. Donc, obligatoirement, ça sera Sore. Et Soko, c'est pour le lieu. Hein. Soko, c'est là, près de toi. Donc, chat no, je sais pas moi. Kamera wa Soko des. La caméra est là, près de vous. Sous-entendu, près de vous. Kamera wa Soko des. Mon appareil photo. Kamera wa Soko des. Près de vous. Si c'est moi qui parle, évidemment. Il faut toujours vous... Et je pense que pour la plupart des gens, c'est compris, hein, mais il faut toujours que vous arriviez à vous placer dans l'espace, que vous ayez conscience que quand vous parlez, c'est pas la même chose que quand c'est les autres gens qui parlent. Pour des personnes, vous êtes Soko, et pour vous, c'est les personnes en face qui sont Soko. Hein. D'accord? Quatrième question. Et donc là, vous avez deux choix possibles. Hein. Tanaka-san, c'est un nom, c'est une personne. Ce n'est pas un lieu. C'est pour ça qu'on ne pourra pas mettre Soko. Ce n'est pas un lieu. Tout ce qui finit en ko, c'est pour les lieux. La différence entre le locuteur et l'interlocuteur. Tout à fait, Joasque. So. Et sono, par contre, on peut dire sono. Hito, mais il faut du coup un nom derrière. Tu peux pas dire Sono wa. Non. C'est Sono Hito wa, cette personne là. Sono Hito. No, je le répète, c'est la particule de détermination. Et donc qui dit particule de détermination dit groupe nominal et dit qu'il faut un nom. Sono plus un nom. Hito. Bien joué, no name. So. Joasque, pareil, excellent. Très bien, Shania. Et elle veut dire quoi cette phrase? Est-ce que vous avez une petite idée? Bien joué, Kalinours. Alors là, pourquoi ça serait pas Dono? C'est ce que je viens d'expliquer à l'instant, hein. Pourquoi on met pas Dono? Expliquez-le-moi. Pourquoi ça serait pas Dono? Et cabane, ça veut dire sac. Un cabane, ça veut... Un cabane. Désolé. Cabane, wa sac, to yu imides. So, desu ne mayo. So. Alors. Bien joué, Shania. So. Anata no cabane wa dole desu ka? Ton sac, c'est lequel? So.
Non, alors, Joas, que c'est pas ça la réponse. C'est parce que, comme Barmok dit, c'est parce qu'il faut un nom derrière. Là, dire Dono Deska, Des, c'est un auxiliaire, ce n'est pas un nom. Donc on peut pas dire. Par contre, un Atano Kabanwa, Dono Kaban Deska, là oui, parce qu'après Dono, on a le nom Kaban. Ton sac, c'est quel sac? Au lieu de ici, Anata no Kabanwa, Dole Deska, ton sac, c'est lequel? Un nom ou un groupe nominal? Là, on voit des phrases assez basiques, hein, avec juste un nom qui suit derrière, mais évidemment, si c'est un groupe nominal, ça fonctionne également. Il faut juste que de toute façon, derrière, il y a un nom. Donc. Exactement, Kaito. Là, il y a plusieurs sacs. On imagine, tu as un tas de sacs devant toi. Un Atano Kabanwa, Dore Deska. Et tu dois chercher parmi ce tas lequel est son sac, du coup. Un Atano. Ah, bon appétit, pur noob. Arigato, bon appétit à toi. Alors, pourquoi c'est Dolé? C'est pas cette question qu'il faut te poser ici. Dolé, ça veut dire lequel? C'est plutôt pourquoi ça ne serait pas Dono? Là, je peux te dire une réponse, c'est parce que derrière, tu n'as pas de nom. Choto muzukashi desu ne. Alors, je sais pas, Joasque, est-ce que... pareil, JS, est-ce que vous étiez là pendant le cours sur les démonstratifs? Est-ce que vous étiez présent? Si ce n'est pas le cas, je vous conseille vivement de regarder les vidéos. C'était... il y a 2 semaines, et de la regarder, ce sera beaucoup plus clair. Il y a des phrases exemples, il y a les explications. Là aujourd'hui, comme on travaille, c'est pas... voilà. Bon appétit à tous ceux qui doivent y aller et à tous ceux qui vont manger. Merci d'être venus. Arigato gozaimasu ne. Voilà. Et du coup, on arrive à notre dernier exercice. Et ici, ça va être un exercice de particules. Avec les particules de liste. Avant de le faire, cet exercice, posez-moi vos questions sur les démonstratifs. Je vois que c'est pas clair. Si vous avez des questions, posez-le-moi. Pour que je puisse y répondre maintenant avant qu'on entame sur le dernier point de grammaire et du coup le dernier exercice. Moi, je vais aller revoir le cours. Oui. Alors, attendez, vous savez ce que je vais faire? On va rapidement aller voir le cours de que je vous remontre très rapidement. De toute façon, aujourd'hui, c'est un cours rapide, hein, donc je vais aller chercher le diaporama. Attendez 2 secondes. Hop. Et je vais vous réexpliquer rapidement. Hop, ici. Et le diapo. Grammaire, voilà. Hop, attendez. Il est là. Voilà. Et donc, si je me trompe pas. Ah, bah, c'est pas le bon. Attendez. Ah, bah, non, c'était le dernier cours, les démonstratifs, c'était le quatrième. Il est ici. Attendez. Hop. Oui, c'était là. Je vous remonte très rapidement, d'accord? Mais il y a la rediff disponible. J'ai passé la moitié du live à faire un récap. J'avais pas vu le cours à ce sujet. Naruhodo. Comme j'ai pas
tout vu et mon bouquin a pas toute l'explication, il manque quelques démonstratifs. Si on a le nanana plus non, on peut mettre dono ou dolé ou juste dono. Si t'as un nom derrière, il faut une particule démonstrative, donc juste dono. Les redifs, ils sont sur la chaîne Twitch et là, il faut que je les mette les cours de grammaire sur YouTube également. Donc d'ici demain ou après-demain, tu les retrouveras sur la chaîne YouTube aussi. Donc, on a quatre catégories de démonstratifs. Premièrement, on a ce qu'on appelle les pronoms démonstratifs. C'est en les coller, ceci près de moi, solé, ceci près de toi, aller, cela là-bas, et dolé, qui veut dire lequel, mot interrogatif. Watashi wa bangoha no tabeni ikimasu. Oyasumi nasai, minasan. Ah, matane, ja kite kurete arigatou gozaimasu. Matane, sankashite kurete arigatou ne. Ça, c'est quand on veut pointer quelque chose du doigt. Kore wa, et je vous montre la première phrase, hein. Kore wa neko desu. Kore wa neko desu, c'est ceci près de moi. Imaginons, j'ai un chat. Kore wa neko desu. Par contre, si je mets en so, ça veut dire près de vous. Et donc, sore wa neko desu, près de vous. Et enfin, si je le mets loin de nous deux, imaginons par là-bas, are wa neko desu. Cela là-bas, loin de nous deux, c'est un chat. Kore wa neko desu. Sore wa neko desu. Are wa neko desu. D'accord? Ça, c'est pour la première catégorie. Merci beaucoup, Kevin, pour ton follow. Follow してくれてありがとうございます. Sur notre chaîne, et yo koso. Bienvenue sur la chaîne. Alors, première question, comment tu vas? Deuxième question, d'où tu viens? Et troisième question, comment tu as trouvé la chaîne? Je reprends les explications, du coup. Ça, c'est la première catégorie. Ensuite, on a la deuxième avec ce qu'on appelle des adjectifs démonstratifs. En no, kono plus un nom. Sono plus un nom, ano plus un nom et dono plus un nom. Là, c'est pareil, on va pointer quelque chose du doigt, sauf qu'on est obligé, vu qu'ici on a une particule no, de mettre un nom juste derrière. On peut pas dire kono wa hito desu. Non, c'est kore wa hito desu. Par contre, on peut dire kono hito wa nani nani desu, yasashi desu ou tout ce que vous voulez. Et donc ici, je reprends un exemple, hein. Kono neko wa shiroi desu. On pourrait pas dire Kono wa shiroi neko desu. Non, c'est Kono neko wa shiroi desu. Pareil, Sono neko wa shiroi desu, Ano neko wa shiroi desu et Dono neko wa shiroi desu ka. Voilà. Et là, c'est juste la position qui va faire qu'on choisit Ko, So ou A. Ko près de moi, So près de la personne à qui je parle, donc vous, et A loin de nous deux. D'accord? Quelle inquisition! Top Belgium, recherche Twitch sur cours de Jap ou stream en Jap. Ah d'accord! Eh ben écoute, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Top, tu m'as répondu. Parfait. Bah écoute, si tu as des questions, n'hésite pas. Actuellement, on fait des exercices. Il nous reste encore un exercice, mais les deux exercices qu'on a fait juste avant, c'était sur les démonstratifs en japonais. Et comme plusieurs personnes n'avaient pas pu suivre le cours, j'explique assez rapidement ce que l'on avait pu voir. Donc, je ne sais pas quel est ton niveau en japonais, Kevin. N'hésite pas à me le dire si tu connais déjà les systèmes japonais, si tu as déjà des connaissances en grammaire ou des kanji, par exemple, n'hésite pas. Et shiroi, ça veut dire blanc. Shiroi, ça veut dire blanc. Juste les kanas, bah très bien. T'as passé la première étape, c'est super. Si tu veux rattraper les cours de grammaire, actuellement on en a fait 4. Et ils sont en rediffusion sur la chaîne Twitch. Et ils le seront aussi sur la chaîne YouTube. D'ici demain. Je m'en occupe demain. Donc tous les cours de grammaire seront disponibles sur la chaîne YouTube. Voilà. Je réexpliquerai le concept de la chaîne et ce qui va se passer en 2021 à la fin du live, pour ceux qui n'étaient pas là au début, bien évidemment. Donc voilà, là, c'est la deuxième démonstratif. Et ensuite, on a les démonstratifs pour le lieu. En ko. Koko, soko, asoko. Là, il faut faire attention, on ne dit pas ako, hein, on dit asoko. Et doko pour le mot interrogatif. Ici, là, là-bas. Et là, on est sur du lieu. Je vous ai déjà expliqué hein, tout à l'heure. Vous prenez une carte, par exemple, et si vous mettez une épingle sur un lieu, c'est ces démonstratifs-là. C'est koko, soko, asoko.
ici, là et là-bas. Et on a ce qu'on appelle aussi la direction. Et dans ce cas-là, si on garde cette même carte, c'est plutôt un cercle, une zone, plutôt qu'un point précis. Et ça nous donnera Kotila par ici, Sotila par là, Attila par là-bas et Dotila par où pour le mot interrogatif. D'accord ? Grosso modo, c'est ce qu'on a vu hein, dans le cours de la semaine dernière. Si vous avez du mal, je vous conseille de le re-regarder en entier et de voir les exemples. Là, je ne vous ai pas montré tous les exemples, sinon il fallait faire tout un cours, c'est un peu long. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder les replays, ils sont là, je les rends dispo pour ça. Comme ça, vous savez comment les utiliser avec des phrases exemples. Je donne toutes des explications, des gens posent des questions aussi qui peuvent aider à comprendre. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est un peu plus clair, tout du moins, pour ceux qui n'ont pas pu assister au cours? Est-ce que vous comprenez? Oui, t'as tout compris, JS. Do, c'est que des mots interrogatifs. Rapide mais compris, je me referai le cours plus tard. Ça marche. Oui, merci pour le récap. De rien, de rien. Je l'ai senti qu'il en avait besoin. ça s'est senti. C'est plus simple à lui redonner. Donc, vous inquiétez pas, hein, pour tous ceux qui ont sub, vous aurez un petit PDF de devoir à faire avec les corrections pour les vacances, pour vous entraîner justement à le faire. Non, t'inquiète pas, Dia, c'est pas à cause de toi, parce qu'il y en a pas mal qui ne comprenaient pas vraiment, qui n'avaient pas vu le cours, donc c'est pas plus mal de faire des récaps. D'accord ? Ne t'en veux pas, au contraire, si toi tu as du mal, c'est que d'autres personnes aussi ont du mal. Hein. Tu n'es pas seul dans ces difficultés-là, hein, je te rassure. Layla San en avait bien besoin. Sans honnête. Du coup, est-ce que c'est bon pour vous? On passe au dernier exercice. Taijo Budeska. Je vais boire un coup, j'ai chaud. Oh, je parle beaucoup là. Parce que c'est la première fois que je viens sur le live. J'ai vu ça. Mais je suis contente, tu es quelqu'un d'actif, ça fait plaisir. N'hésite pas si tu as des questions sur les Discord. Hein, profite des vacances, j'ai envie de te dire, pour rattraper les cours. Si tu le peux, évidemment. Bokuwa happy desu. Hai daijoubu, ja yokatta. So. Bon, ça a l'air d'être ok. Du coup, dernier exercice. Et donc là, je vous l'avais dit, hein, vous avez trois particules. To, la particule de la liste, pardon, non exhaustive. Ya, de la liste exhaustive. Et ka, j'ai inversé les termes, je crois. Et ka, qui veut dire ou. Et vous avez une phrase en japonais, et vous devez mettre la particule la plus adéquate. Donc, to, c'est par exemple quand vous dites « il y a un chat et un chien ». Et il n'y a que ça. Ya, c'est quand vous dites « il y a un chat et un chien ». Et sous-entendu, il peut y avoir d'autres choses. Et ka, c'est quand vous dites « il y a un chat ou un chien ». D'accord ? Pour le sens, c'est ça. Donc, c'est des particules que l'on va utiliser quand vous avez deux noms. Ça se met entre deux noms ou deux groupes nominaux. Les candidats d'exercice, c'est JLPT5 et JLPT4. Oui, plus ou moins. Plus ou moins. C'est des mots où, dans ces niveaux-là, on peut les rencontrer en kanji tout à fait. Oh, bien joué, Shania. Bien joué. Coucou Soledad, je suis trop en retard, mais je passe quand même faire coucou. C'est gentil, coucou à toi, coucou. Bien, oh, parfait Shania. Ah non, justement Shania, ton troisième message, il est faux, du coup.
Et Maïeu, tu as raison. So, 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 so. Nègre, du coup, bonne réponse. Alors là, on n'a rien, on n'a pas de contexte, on n'a pas de nado qui peut nous dire si c'est to ou ya. Quand c'est comme ça veut dire qu'on peut faire les deux. Mais si on reste logique en général, quand on parle d'amis, on sait qui c'est. Du coup, ce sera plus de la liste exhaustive. C'est-à-dire, to watashi no tomodachi wa Tanaka-san to Ueda-san desu. Mes amis, ce sont Monsieur Tanaka et Monsieur Ueda. Sous-entendu, j'en ai pas d'autres. Mais, comme je l'ai dit, ya, c'est possible aussi. Et dans ce cas-là, on aura un sous-entendu de Tanaka-san et Ueda-san sont mes amis, mais j'en ai d'autres. Donc, les deux réponses sont possibles. Là, on n'a pas de nado, donc ça sera plus avec to dans ce cas-là, mais ya fonctionne quand même. C'est ce que j'essaye de dire en tout cas. Oh, merci beaucoup pour le follow, Inklingad. Follow shite kurete arigato gozaimasu, notre channel yokoso. Bienvenue sur cette chaîne, comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé notre chaîne? J'ai pas compris ce que tu as dit, JS. Du coup, je relis, hein. Watashi no tomodachi, mon ou mes amis, ici mes amis, wa Tanaka-san to Ueda-san desu. Mes amis, ce sont Monsieur Tanaka et Monsieur Ueda. Avec ma prof Irène, elle suggérait que ya pouvait notamment servir à omettre des choses de manière intentionnelle. Bah oui, parce qu'en fait, tu vas mettre en avant des choses. Donc ça veut dire que tu vas aussi ne pas mettre en avant des choses. En général, c'est par rapport à la quantité hein, que ça se produit quand tu dis, quand tu vois un panier de fruits, c'est toujours le même exemple, hein, quand tu vois un panier de fruits, que tu vois qu'il y a beaucoup de raisins et beaucoup de pommes, mais qu'il y a d'autres fruits, mais que tu fais... Tu t'as pas besoin de dire, bah tu diras juste Budoya Lingo. Sous-entendu, il y en a d'autres. Et t'as choisi dans ton dans ta liste ce que tu préférais mettre en avant. Et ça sous-entend évidemment que tu omets des choses intentionnellement. T'as fait un choix, donc évidemment. Ah, Da c'est la rizière, et oui, c'est le kanji de. Alors non, Ue, c'est le kanji du haut. En haut de la rizière. Salut, j'habite l'an 74 et je cherche des gens qui ont l'air sympas et comme tu fais du japonais, bah je suis venue. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton follow, ça fait super plaisir. N'hésite pas à rejoindre le Discord, voilà, si tu veux des gens sympas, il y en a plein dessus. Oh, Takumi Sola! Merci beaucoup pour le follow! Follow shite kurete arigato gozaimasu. Ouh là là, j'ai bugué. Sur notre channel, yokoso, bienvenue sur cette chaîne. Et question habituelle, hein, comment ça va? D'où tu viens? Et comment tu as trouvé cette petite chaîne? Genre des choses dont on veut pas parler. So, t'as tout compris. Ça a aussi ce entendu là pour la particulière, évidemment. C'est quoi le Discord? Bah tu as le lien juste au-dessus de toi, juste au-dessus de Wizbot, tu peux cliquer dessus. Et c'est un Discord bah, qui permet de papoter, d'apprendre le japonais, de poser des questions pour apprendre le japonais, des salons spéciaux pour ceux qui s'abonnent à la chaîne, voilà, des petits avantages. Tu verras, c'est sympa. La semaine prochaine, il y a plein de soirées-jeux qui sont prévues. Donc voilà. Question suivante. Alors, ce que je vous ai mis en jaune, c'est quelque chose que l'on n'a pas vu ensemble. C'est Obenkyoshimasu. Je laisse les gens essayer de tenter, il y en a qui doivent le savoir. Et si vraiment la plupart des gens ne le savent pas, je vous dirai à quoi ça correspond. Mais ce qui est en jaune, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore étudié en cours ensemble.
Tout le reste, hormis le vocabulaire, hein, c'est des choses qu'on a vues. Et saut dessiné, Inke. Ah, bien joué, Mayu. So. O benkyo shimasu. O, c'est une particule de COD. Et benkyo suru est un verbe. Benkyo shimasu. Benkyo, c'est les études. Et du coup, suru, c'est faire. Donc, faire des études, autrement dit, étudier. Très bien, Mayu. Et du coup, sinon, selon vous, c'est quel. Particules qu'on mettrait ici. Question, c'est dur le japonais. Je pense que si tu as une réelle motivation, non, c'est un plaisir et donc ce n'est pas dur. Après, si tu n'as pas le temps, si tu abandonnes vite, oui, ce sera difficile. Mais si tu es motivé, que tu as envie d'y arriver et que ça reste un plaisir d'étudier, il n'y a pas de souci, tu devrais pas avoir trop de soucis. Salut, ça va super, cette chaîne est apparue à gauche dans Twitch. Ah, les recommandations, merci Twitch. Je me suis dit, cool, tes cours de Jap, j'ai passé mon JLPT4 il y a 2 ans quand j'étais en échange au Japon et j'ai plus pratiqué depuis, je me dis que ça me ferait de bonnes révisions. Ah bah en effet, je pense que tu as trouvé la chaîne qu'il te faut. Bah écoute, merci à toi pour ton follow en tout cas, merci à tous ceux qui follow aujourd'hui. On est bientôt à notre objectif de follow, là, 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 bientôt, bientôt, 8 personnes. C'est qui fait venir 8 personnes? Avant pour la fin de l'année, ce serait cool de réussir l'objectif. Oh, merci beaucoup, Mokatsupa. C'est trop cute comme pseudo. Mokatsupa, yokoso. Et du coup, question habituelle, comment vas-tu? D'où viens-tu? Comment as-tu trouvé cette chaîne? Mayu, œil de lynx. On va le rename œil de lynx. So, dessiné, il y a un indice dans la phrase. Il y a un ado. Et en plus, il a un rouge pour vous le montrer. Et donc, en effet, ce sera la particule ya. Sugaku ya, tetsugaku nado, o benkyo shimasu. Et là, du vocabulaire. Sugaku, c'est les maths. Et Tetsugaku, c'est la philosophie. Alors, vous inquiétez pas, dans les cours de kanji et de vocabulaire, je ferai des listes de vocabulaire par thème. Et donc, on verra les matières, on verra plein de choses utiles liées avec l'école. Coucou, Pure Noob. Ça roule? Bah, ça roule. Ça roule. Ça roule bien. Ici, vous aviez un gros indice. Hein. Si vous avez Nado, qui veut dire que on est dans une liste qui n'est pas finie, ou du moins qu'on ne dit pas tout, c'est forcément IA. Il n'y a pas d'autre solution, c'est forcément IA. Obligatoirement. Obligatoirement. J'ai eu bon au pif. C'est ton instinct. Ton instinct, il est là pour toi, tu sais. Nado, alors c'est comme IA. Nado, ça sous-entend que on a ta liste, elle n'est pas finie, qu'il y a d'autres choses, mais que l'on ne dit pas. Ça intensifie, ça donne un. Tu mets l'accent sur le fait que vraiment, il y a ça entre autres. C'est entre autres en français. Que tu dis le plus important, ce que tu trouves le plus important, et que le reste, tu ne le dis pas. Sugaku, du coup, les maths, Tetsugaku, la philosophie, et ici, Benkyo suru, c'est étudier, étudier. Ça met l'emphase. Merci pour le vocabulaire. Je suis nulle en français. Toi-même, tu sais. So, pure noob, c'est comme un etc. Sous-entendu. Et Benkyo shimasu, c'est le verbe. C'est un verbe. En japonais, un verbe, hein, c'est à la fin d'une phrase. Et ça veut dire étudier. Étudier. Benkyo suru, benkyo shimasu. Étudier. Coucou, ah j'ai failli pas te voir. Wa, waer gon? Yahoo? Je t'ai pas vu, t'as fait un tout petit rond et un petit truc comme ça. Comment ça va?
Est-ce que sur le Discord, on peut être en appel pour aider à apprendre car j'adore le Japon grâce aux animes et mangas, mais je suis beaucoup trop nulle, mais j'adore la langue. Alors, j'aimerais apprendre le japonais. Bah écoute, Discord, il y a des salons vocaux, on est souvent connectés. Pour nous, mais moi, on fait souvent les kanji. Il y a Layla-san aussi qui se connecte souvent, Kalidons des fois vient nous dire des coucous. Il y a des soirées jeux qui sont en préparation, donc si tu as des questions, il y a des channels, des salons qui sont réservés aux questions où tu pourras poser ta question. On a même des japonais très gentils qui répondent à ces questions. Même moi, des fois, j'ai des textes à traduire qui me prennent la tête et c'est cool quand il y a des japonais pour nous donner des réponses. Oh! J'étais plus abonnée, c'est quoi ça? On corrige ça tout de suite. Merci. Je mets des clap 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 dans le chat. Clap 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 dans le chat pour noob. pour noob. J'ai bugué. Je mets des clap 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 dans le chat. Merci pour le prime. Tetsugaku, c'est la philosophie. Et oui, alors, Wergon, ça se prononce comme ça? C'est les mathématiques, tout à fait, tu as raison. Merci pour le resab. Merci pour le resab. Des clap-clap de Kakashi, des clap-clap de Sasuke, des clap-clap de Naruto. Gaku, en fait, c'est le kanji pour l'école, pour étudier. Et donc oui, on va le voir souvent dans les matières. Hein. Kagaku, la physique. J'en ai pas d'autres qui viennent d'interdire, mais voilà. Un modo, pas sûr que ce serait... Nani, nani. J'ai pas tout suivi là, les gens. J'ai pas tout suivi. On passe à la troisième question. Alors là, il y a beaucoup de kanji. Et vous avez deux phrases ici. Hein. Faites bien attention, l'une au-dessus de l'autre. Il y a beaucoup de kanji, mais je vous ai mis les lectures, donc ça ne posera pas de problème. Hein. Ah, un modo pass-up, ça serait pas correct. Naruto donné. Tashikani, tashikani. Une raison de ne pas mettre le kanji de Gaku pour la philo. En fait, c'est juste que si vous mettez un kanji, bah faut mettre l'autre. Et le kanji de Tetsugaku, bon, comparé à Sugaku, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai ripé, mais Tetsugaku, tu as ton muzukashi, t'es chaud. Amari mienai yo ne. On le voit pas si souvent que ça. Et donc en fait, quand on met des kanji, on met les deux. Et le deuxième, ben, enfin le premier en tout cas, il me semblait pas, c'était pas besoin de le savoir en débutant. J'aurais pu le mettre et mettre la lecture, c'est sûr, hein, mais. Ah, naruhodo, dans yandere, tsundere, detere. Ben j'en ai aucune idée, j'avais jamais fait attention. Du coup, shiranai desu ne. Shiranai. Dere no imi wa nan daro? Dere. Chotto matte, shirabete mimasu ne. Dere. Imi aru kana? Pour moi, il y a pas de sens, c'est juste que c'est des mots qui yoku shiranai kore. Je sais pas du tout. Tu me poses une colle. Bogonatum. Ah, bien joué Barmok. So desu ne. J'ai regardé juste délai, ça veut rien dire. Ça c'est sûr, mais pourquoi tsundere? Je faudrait peut-être voir les kanji, ça doit être le même kanji et voir le. Je sais pas. Faut à chercher, à approfondir. Bien joué, DS. So, no name aussi, très bien. La flemme de tout retaper sur téléphone. Bah oui, elle est longue cette phrase. Elle est longue, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et du coup, il y a de très bonnes réponses dans le chat. Hein. J'ai pas compris la phrase, mais au vu de la structure, la particule TO. Ah. Alors, je vous fais le vocabulaire. Nihongo, c'est la langue japonaise. Et Jugyo, enfin Jugyo plutôt, c'est le cours. Imawa, Nihongo no Jugyo desu. En ce moment, là, c'est un cours de japonais. Nihongo no Jugyo. Getsuyobi, ça veut dire lundi. Et... Kayobi, ça veut dire mardi.
Et ensuite, on a une deuxième phrase qui dit Getsuyobides. Et donc, en fait, c'est cette deuxième phrase qui vous permet de choisir la particule. Ici, on a une question. Et à la réponse, on a Getsuyobides. Et donc, comme plusieurs personnes ont pu donner une bonne réponse, c'est bien la particule ka. Nihongo no jūgyō wa getsuyobi ka kayobi desu ka? Le cours de japonais, c'est lundi ou mardi? Et du coup, la réponse, c'est getsuyobi desu, c'est lundi. D'accord? T'inquiète, JS, c'est parce que là, il te manque du vocabulaire. Enfin, il te manque les cours. T'as pas suivi les cours, tu viens d'arriver, c'est normal. Là, essaie juste d'apprendre quelques mots de vocabulaire, essaie de prendre des informations, et ces informations-là, quand tu vas regarder les cours, tu vas tout comprendre. Ça va être en mode illumination, en mode « Ah oui, je comprends mieux !» So, ne. Qui signifie amoureux ou ramolli? Ah, naruhodo, dere dere. Dakara ne. Eh, pourtant, j'avais précisé. Oui, je sais, Pony, mais on fait quand même les cours le lundi. Ga, c'est pas tout. Et ka, c'est question. C'est à peu près ça, JS. So. C'est plus ou moins ça. T'as plus ou moins compris, oui. Il y a d'autres détails, mais là, t'as grosso modo compris la base. Quand j'ai écrit ça, c'était lundi. Donc, arrêtez de m'embêter là. Allez, quatrième et dernière question. So. Oh, merci beaucoup, Cory, pour ton follow. Follow secret, arigato gozaimasu, sur notre channel, yokoso, bienvenue sur cette chaîne. Alors, question habituelle. Premièrement, comment tu vas? Deuxièmement, d'où tu viens? Et troisièmement, où j'ai bugué? Comment t'as trouvé la chaîne? Merci encore pour ton follow, c'est super gentil. Ah, bon appétit à toi, Père Jacques. Et bonne soirée à toi également. À la prochaine, j'espère. Ah, une prochaine plutôt. Ouh là là, moi je sais plus parler, ça y est, la fatigue elle est là. So. J'aime bien parce que Wergon, il se fout un tout petit peu de moi. Un tout petit peu. Merci Maïe. Avec les emojis robots, man. Oh, bien joué, Shania. Noname aussi, bonne réponse. So dessiné. Ah non, dommage, c'est pas cheval. Toli, ça veut dire un oiseau. Oiseau dessiné, Toli. Sukina doobutsu wa Toli Inu desu. Toli veut dire l'oiseau. Inu, c'est le chien. Doobutsu, c'est un animal. Et suki, sukina, c'est un adjectif aimé. So desu ne. So. Uma, c'est le cheval. So. Et le kanji, ressemble. Hein. Je vous le mets. Hop. C'est juste que, vous voyez, vous n'avez pas le petit trait. Et là, sur le côté, c'est pas fermé. Mais il ressemble. Je te l'accorde, il ressemble au kanji du cheval. Et donc ici, on va privilégier la particule to. Mais on n'a pas de contexte. Donc on peut aussi mettre la particule ya. Et donc, sukina doobutsu wa tori to inu desu. Mes animaux préférés, c'est les oiseaux et les chiens. Dans ce cas-là, c'est vraiment c'est mes deux préférés, il n'y en a pas d'autres. Après, si tu as vraiment une liste de 10 animaux préférés, bah, tu te diras les top 1 et le top 2, et tu mettras ya pour dire qu'il y en a d'autres aussi que tu aimes vraiment beaucoup. Tu n'as pas envie de le dessiner sur le PDF. Et des kilos encore? Mes ordres de détresse sont peut-être mauvais. Ah, des kilos, non?
Je sais pas comment on fait pour... Ah, koreka? Ah non, non, c'est des points. Dekinai ka. Je pense que je peux pas dessiner. Cette personne n'aime que deux animaux, c'est clair et net. Exactement. Je pense que je peux pas. C'est pas... Là, c'est pour surligner. Je sais pas si on peut dessiner. Eh oh. Kakeru kana. Main? Non, c'est pour faire ça. Dekinai. Vous préférez, faut pas Ichiban normalement. Si, mais là par exemple, Skinado Butsu, les animaux que j'aime, c'est les oiseaux et les chiens. Et donc en français, on pourrait même dire les animaux que j'aime, ben, les animaux que je préfère. Tout simplement. Mais Ichiban, Skidas, tu as raison. Hein. Du superlatif en français. Et c'est le plus, ce que j'aime le plus, donc ce que je préfère. Là, oui, ma traduction était un peu libre. Sumimasen. Il y a un cours sur la volonté, genre je veux ou pas sur la scène. Pas encore, pas encore. Petit à petit. Et Dobutsu, c'est un animal. Ça veut dire animal, animaux. Dobutsu, un animal. So desne. Oh, merci beaucoup, Floppy Lolo. C'est trop chou comme pseudo. Merci beaucoup pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sur notre channel et yokoso. Question habituelle, comment tu vas? D'où tu viens? Et comment t'as trouvé la chaîne? Dis-nous tout, on est curieux ici. Bonjour à toi, merci pour ton follow. Tu arrives sur une fin de cours, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres, heureusement. Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Et j'ai tenu les délais. Les cours d'exercice, je sais bien tenir les délais, comme il faut. 30 minutes par exercice, hop, oh bah laissez peser. on peut l'utiliser aussi sur des êtres humains. De quoi, le terme Dobutsu? Si c'est ça... Eh oh, résume. Si c'est ça, non, Dobutsu, c'est les animaux. Hein. Un être humain, du coup, sera Ningen. Bon, après, évidemment, si tu dis Ningen ou Dobutsu, là, oui, hein, les humains sont des animaux. Il n'y a pas photo. Enfin, on peut. Alors, en Haute-Savoie, Ine. Quelles sont les différences entre les katakana et les hiragana? Alors, en japonais, tu as deux systèmes de syllabaires. Hein. Tu as les hiragana, qui sont pour les mots japonais, et les katakana, qui sont pour les mots étrangers. Celui que tu verras le plus, et c'est pour ça qu'on l'apprend en premier, c'est les hiragana. D'accord? Et les katakana, du coup, on les voit un peu moins, mais ils sont quand même super importants, et donc indispensable dans ton apprentissage. Tu dois savoir les deux. Tu dois d'abord savoir les hiragana parce que c'est celui que tu vois le plus pour les mots japonais. Puis ensuite, tu dois apprendre les katakana pour les mots étrangers. Il n'y a pas que ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on en a pour des heures. C'est le sujet de mon mémoire, donc je fais mes recherches sur ça, je pourrais dire plein de choses. Je vous en parlerai quand j'aurai fini mon mémoire. Je vous ferai un live sur mon mémoire si vous voulez. Mais voilà. Et donc, je pense que j'ai répondu à tes questions. La différence, c'est dans leur utilisation, tout simplement. Arimas, so, arimas, il y a à voir. So desu ne. C'est des 5 minutes de récap, exactement. Ah, Janeji, c'est ça, bye bye. Bonne chance pour le mémoire. Merci, j'en ai besoin là. En janvier, je dois rendre mon rapport d'étape. Comment vous dire que c'est la galère. Tu sais où on peut apprendre le japonais? Bah avec moi déjà. Alors, je bois pour Kalinours. Avec moi, en ce qui me concerne, du coup, ça sera soit sur la chaîne Twitch, tu y es déjà, soit sur le Discord. J'ai pas mis de D, Discord.
soit sur l'Instagram. Et... Ah, mais merde, je sais pas écrire Insta. Alors, je bois pour Lord. J'ai mon dos droit. Tu ne m'as pas répondu sur Insta et tu n'as pas donné l'info au début du cours. C'est dans quelle librairie il y aura ton livre et quand? Ah, alors ça, je l'ai dit en début de cours. Je ne peux pas vous le dire pour le moment. Je dois attendre qu'ils les reçoivent et qu'ils les mettent en boutique pour qu'ils m'envoient les photos pour que je vous le dise. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sera dans deux librairies. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je peux vraiment pas vous le dire, mais on veut lire ton mémoire. Ah bah, je vous mettrai mon mémoire quand il sera fini. Je vous le mettrai et ce sera cadeau. Donc tu seras au courant sur les réseaux. Dès qu'ils seront dispo, je le dirai en live aussi. T'inquiète pas. Yeah, yeah, de rien, merci à vous d'être passé. Alors du coup, je récapitule quand même, un petit peu, pour l'année qui va arriver. Je vais essayer de mettre en place 3 cours par semaine. Le planning va un peu changer parce que mes cours, mon planning de cours va changer. Je vous tiendrai un peu au courant dès que j'en serai plus de mon côté. Pour l'instant, c'est pas le cas. On fera de la grammaire, des exercices, du vocabulaire et des kanji. Je pense que de temps en temps, je ferai des live traductions, des live lectures, ça y a pas de souci. Je dab et je bois. Santé, kanpai. Et grosso modo, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'année de 2020. J'espère en tout cas que depuis septembre, les cours vous ont plu. Que vous avez au fond de vous l'impression d'avoir appris des choses en japonais. J'espère que la plupart d'entre vous ont réussi à apprendre les kanas. C'était l'objectif de septembre à novembre. On a commencé les cours de grammaire. J'attends des retours aussi de votre part. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir en plus sur la chaîne. Là, je vais essayer de proposer des cours en plus, mais si vous avez des propositions, je suis preneuse. Pareil dans la méthode dans laquelle j'enseigne, je vous explique le point, je vous montre des phrases exemples et après vous faites des exercices. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez d'autres idées pour qui vous conviendraient peut-être un peu mieux, dans lesquelles je pourrais m'inspirer? Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Cette année, elle a été très 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 riche pour moi. Vous êtes juste incroyable. J'aurais jamais cru que autant de gens soutiendraient mes projets, notamment le manuel. Voilà, merci. Merci pour cette année. On se reverra en live sur du gaming, mais c'est le dernier cours de japonais de cette année. Petite larme. mais c'était... Moi, j'ai adoré. En tout cas, en tant que professeur, c'est une bonne expérience, cette chaîne Twitch. Voilà. Et ce manuel, t'as tout compris, Mayo, sans dessiner. C'est génial, tes cours. Merci. C'est génial et ça aide. J'étais en auto-didacte et je bloquais un peu sur le processus pour avancer. Ah bon bah, je suis contente que ça ait pu t'aider. Alors, c'est quand que tu as appris le japonais et pourquoi? Alors, je fais le topo très rapidement, mais j'ai commencé à aimer le Japon grâce à un manga qui est Black Butler. Et ce manga a littéralement changé mon avenir. Qui l'aurait cru? J'étais destinée à être architecte depuis que j'étais toute petite. J'adorais ça. Et j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, j'ai fait une LV3 au lycée, puis j'étais au Japon pendant le lycée, j'ai adoré, j'aimais beaucoup enseigner les choses, mes amis me disaient toujours que j'avais une bonne manière et qu'on comprenait toujours avec moi, donc je me dis « Ah, être prof, c'est peut-être ma destinée », et finalement j'ai fait une licence, pendant ma licence je suis partie étudier un an, et maintenant je suis en master, et je suis prof, et j'ai un manuel, voilà, ma vie a changé avec un manga, donc ceux qui critiquent « Ah, les otaku », ça change une vie, les gars, ça change une vie d'aimer les animés, les mangas. C'est vraiment super, tes cours sont vraiment simples et clairs, faciles à comprendre. Merci, je suis contente. C'est vraiment le but, je vous le dis, hein, le but de ces cours, c'est premièrement, vous transmettre quelque chose. Deuxièmement, que vous compreniez ce que je vous transmets. Troisièmement, que vous puissiez le réutiliser. Si vous arrivez à faire ces trois choses-là, moi, en tant que prof, j'ai réussi mon boulot.
Alors, des fois, il faut un peu plus de temps pour des gens. Et donc, c'est pour ça que je fais des sessions d'exercice. Mais voilà. Ah, génial, Black Butler. Ah non, mais oui, c'est mon manga. Mais j'ai tout. J'ai même tout acheté les tomes en japonais. J'ai des goodies de partout, des posters de partout, des figurines. Ah, c'est ce manga, c'est... J'adore. L'anime est extraordinaire. J'adore. Oh, que oui, personnellement, je vois que j'ai progressé et c'est grâce à ces cours. So, arigato. Yes, Dream Baka. 2年 21 にたくさん勉強します。あ、じゃあ、バーモクさん、頑張ってくださいね。みんな、頑張ってください。あ、bonsoir Rido, tu arrives en fin de cours. Je remercie du coup Solitaire Heureux et Elena. Merci beaucoup pour vos follow. Vous arrivez sur une fin de cours et un petit discours de ma part. Mais merci beaucoup pour votre follow. Follow c'était kurete arigato gozaimasu. Sono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Et question habituelle. Comment ça va? D'où vous venez et comment vous avez trouvé la chaîne? Je suis contente parce que on va réussir à atteindre l'objectif d'ici la décembre. Donc ça, je suis contente. Je suis plutôt contente. Voilà, voilà. Hey, date bayo tout le monde. Oui, on va dire oui. On va dire oui à juste Shadow of Zed. Oui. Merci beaucoup pour les cours, mais avec plaisir, je suis juste heureuse que ça vous soit utile, que je ne fasse pas ça dans le vent, que j'arrive à faire mon job en fait. Twitch, c'est vraiment... c'est comme un essai pour moi. Je suis prof, mais j'ai pas l'expérience encore... Enfin, je commence dans cette carrière. Et Twitch, ça me montre que enseigner, c'est déjà ce que j'aime. Je prends un plaisir fou à vous enseigner des choses. Mais ça me montre aussi que je n'ai pas encore toute l'expérience qu'il faut pour que tout soit parfait. Voilà. La perfection n'existe pas, mais dans l'enseignement, on peut y arriver. Et voilà, je sais que par exemple, mes supports pédagogiques vont au fur et à mesure changer. Ma façon de faire va au fur et à mesure changer. Et ça, c'est grâce à vous et à vos retours. Donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. 4 morts sub. Mais pourquoi tu dis ça, Barmok? Ben si, j'existe. Sans dessiner. Enfin, voilà. J'ai fait mon discours de fin d'année de cours. J'espère que les cours vous ont plu. Si vous avez des choses plus personnelles à dire pour améliorer tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou Discord. Hein. Vraiment, je prends toute critique constructive, négative ou positive. Il n'y en a pas. Pour moi, ce sont tous des constructives. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve demain. Demain, on est quel jour? Demain, je live. Demain matin, je vais peut-être live du Fall Guys. Peut-être. Peut-être. On verra. On se retrouve d'ici fin de week-end pour jouer. Voilà. Et la semaine prochaine sera du jeu, du jeu, du jeu, du jeu. On va jouer, on va jouer, on va jouer pour la semaine de vacances de Candy Sensei. Et d'ici la nouvelle année, on prendra des cours, tout simplement. Et c'est le dab. J'imagine qu'il y a un dit à la rentrée 2021 à la fac des demandes d'autographes tous les jours, des conférences, masterclass, etc. On pourra se vanter qu'on a connu qu'il y a un dit à ses débuts. Un jour, peut-être, qui sait. Imaginez. Oh, la pression. La pression sur les épaules. C'est quand le premier cours de janvier? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Je sais pas encore. Faut que je fasse mon planning. Mais je vous tiendrai au courant sur Discord et sur Instagram. D'accord? Bah parce que vendredi, enfin demain après-midi, je ne suis pas à la maison. On va faire du shopping avec le fantôme pour Noël. Et ça risque de durer longtemps. Voilà. On m'a aussi indélu. Jouer, mais en japonais. T'as tout compris, Mayu. Par contre, Kandi, où es-tu avec tes études? Quand auras-tu fini? Alors, attendez, on va mettre ma tête, du coup. Théoriquement, il me reste encore un an et demi. Mes 2 ans de master. Je ne sais pas si je ferai encore un an de master pour ma formation de CAPES. Je sais pas. Voilà. On va à l'Illenium vendredi après-midi pour nous. Bah alors, si tu veux, ceux qui veulent passer, envoyez-moi un message. On ira se prendre un thé. Sans dessiner, t'as si calé.
Tu penses repartir au Japon? J'en rêve. J'aimerais trop l'année prochaine pouvoir y retourner. Je ne sais pas quand. Je sais que ce sera pas avant les JO, pas pendant les JO, donc potentiellement dans un an, peut-être, mais bon. Kindy suivra-t-elle les traces de Julien Fontanier? À quand le Ulule à 20, à 200 km à sonner? Mais Julien Fontanier aussi, il a une très bonne réputation et il a une très grosse communauté et il fait un très bon travail sur YouTube. Voilà, on fait pas la même chose. Donc je ne pense pas que je puisse. Enfin bref, j'ai pas les mots, mais c'est pas la même chose. Je n'ai pas cette renommée, je n'ai pas son expérience, je n'ai pas beaucoup de choses de Julien Fontanier finalement. Mais voilà. Kambawa, coucou Peli. Ah, c'est la fin du cours, mais je suis contente qu'il y en ait des gens qui viennent même à la fin du cours. sinon, on raid qui? Je vais regarder qui y a de mon côté. Alors, il y a Général Mas. Il y a Général Mas. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ah! Ouais, mais. Alors, attendez, je veux juste voir c'est qui. Attendez. Ouais, non. Alors, je pense qu'il y a Général Mas. Hein. Vous avez d'autres recommandations? Dites-moi, est-ce qu'il y a des nouveaux gens que vous voulez qu'on découvre? Il y a quelques années, Julien Fontanet, il était inconnu. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Chicaniné. Heureuse que tu lui ressembles pas. Il faut que je vous dois toujours le cosplay de Julien Fontanier. Hein. Faut que j'achète une putain de chemise. Et que je fasse mon déguisement de moustache là. Pour la nouvelle année, voilà. Je vais essayer d'acheter ça pour la nouvelle année et vous faire un cours en déguisant Julien Fontanier. Je vous le dois. Je vous le dois. Bah en fait, théoriquement, c'est pas à 75 subs, c'était à 50. Sauf que quand on a atteint les 50, on pouvait pas aller chercher des chemises dans les magasins et tout. Et moi, il faut que j'essaye les chemises. J'ai déjà expliqué mon problème. It's boobies. My boobies is too big. So I have to try the chemise. Enfin bref, c'est compliqué. C'est compliqué la vie, ok? Bon, bah, je pense qu'on va en faire Général Masse. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'apparaît en plus. On va aller le chercher. Oh, il y a Julien. Il y a Fabien Olicard qui fait du stream. Mais lol. Général Masse. Parfait en disant ses mimiques et ses phrases clés. Il faut vraiment que ouais, je m'imprègne du personnage. Hein. Ça serait très drôle. Ça serait encore plus drôle. Franchement, les gens, si. Je sais pas quand, mais le jour où on le fait, prenez des screens, identifiez Julien Fontanier, ça va le faire rire, obligé. Voilà, il va me détester à jamais, mais au moins il saura que j'existe. Ah la séance shopping, ah bah voilà, la vendredi j'achète la chemise, la parodie. Parodie positive du coup, hein. C'est un de mes senpai, c'est un senpai que je respecte par tout le travail qu'il a fait clairement, voilà. Je veux Julien Fontanier en cosplay de Candy. Julien Fontanier aura des grosses joues, voilà, c'est tout. Niveau cheveux, en plus j'aurai les cheveux courts, je vais me couper les cheveux là pour Noël, mais bon, tant pis, hein. Tant pis, on fera genre il a une queue, on verra. C'est demain que on va à l'Illenium avec le fantôme. Merci à tous ceux qui y vont du coup. Je vais vous laisser là. Je commence à fatiguer. Mais en tout cas, merci encore une fois. Je le dirai jamais assez. Merci de suivre les cours. Merci d'être là. Voilà, vous êtes une très bonne communauté. Je suis fière de vous avoir en communauté. Tout le monde ne peut pas dire ça. Et moi, je vous aime beaucoup. Voilà. Merci, 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 merci. Je vous dis à bientôt. Pour du gaming, là c'est les vacances de Candy et bah voilà, tout est dit. Des bisous tout le monde, bonne soirée, bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Bye 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 bye, otsukaresama desu, Johnny.